Comment ça va les artistes, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo Fortnite, nous allons découvrir la nouvelle AR Arafale mythique qui se trouve à la Raft. YouTube, on pense bien sûr au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir si ce genre de vidéo vous plaise. Et sans plus tarder, c'est parti pour le gameplay. Et directement, c'est parti pour le raft, mesdames et messieurs, pour la découverte de l'AR mythique. Alors, j'y suis déjà allé au raft. C'était pour le défi, le combo le plus compliqué. Mais j'ai pas encore testé et découvert l'AR mythique. Ok, oui, attention, mesdames et messieurs. Je vais vous faire un épisode sur chaque AR mythique, frérot. Attention, faut pas déconner. Sur chaque arme mythique, excusez-moi. Donc, on avait fait le pistolet. D'ailleurs, il vous a énormément plu. Merci à vous, 4800 pouces bleus. Alors, objectif sur celle-là de vidéo, par contre, 5000 pouces bleus, mesdames et messieurs. On va voir si on est capable de franchir la barre. Et alors là, attention, parce que ce spawn-là, mon pote, c'est un carnage. Je pense que c'est pire que Fatalis. En fait, c'est beaucoup plus petit que Fatalis, j'ai l'impression. Du coup, on est tous les uns sur les autres, il y a des bots partout, il y a des mecs partout aussi. Oh non, ça va être un carnage. Lui, en plus, il va à ma strat, il va tout en bas. Et bah, je me suis bien fait poutrer. Et bah, je suis dans la sauce. Ok, j'ai un coffre avec un pompe et un flobet. Oh. Ok, toi, ça dégage. Hop là, ni vu ni connu. On a les Akimbo, c'est parfait. Et on a un Flobet. Impeccable. Let's fucking go, mon petit. Ça commence très bien, cette histoire. En haut, c'est pas looté. Oh. Adios, amigos. Et laisse-moi me stuff, toi. Saltimbanque. Laisse-moi me mettre de la popo. Et je vais venir à toi, t'inquiète pas. Je pense qu'il s'est sauvé. Hein. Ah non, il est clairement en bas encore. Ok, ça dégage. Je sais pas si c'était un bot, mais il était pas bien compliqué à tuer. Le mec en face. Est-ce que j'irai pas? Ouais, non, en vrai, flemme. Je vais pas lui sauter dessus direct. Si je me fais back après. Oh, non, 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 qu'est-ce que je fais? Wally! Adios, amigos. Oh putain! Adios, amigos, de rien du tout! Allez, hasta la vista, baby! Où c'est qu'il est le poteau là? Ok, il a clairement les jetpacks, ça sert à rien de le jouer en l'air. Allez, salut. Il me chasse ce fou! Allez hop, ça dégage! J'ai plus de vie. Allez hop, ça dégage, ça dégage. Tout le monde dégage. Faut que je me casse d'ici. Non! Faut pas qu'elle me tue. Allez, prends le pompe! Mais c'est pas en vrai! Allez, ciao! Oh, parfait! Oh, let's go! Moi, j'ai l'impression d'avoir déverrouillé un truc de fou alors que j'ai juste survécu. Oh, de la popo, parfait! Oh, elle est magnifique! Allez, vite, vite, vite! Allez, salut! Oh, non, il y a un autre mec! Non, mais c'est pas possible! Frérot, ça met trop de pression ce spawn! Regarde-moi ce rat! Oh! Il était dans la cage à chat. Je me suis fait poutrer par un ratus. Non! Frérot, il y a trop de trucs, il y a trop de bots, il y a trop de musique, c'est un carnage. Je crois vraiment que c'est le pire spawn. C'est le spawn le plus excité. Bon, je crois qu'il n'y a même pas besoin de mettre de musique sur la vidéo tellement ça redondonne. Allez, c'est parti pour la deuxième game. Et pour le moment, on n'a pas découvert grand chose. Ok, c'est parti pour la deuxième game. Cette fois-ci, le spawn est plus loin. Il y a peut-être moyen qu'il y ait un petit peu moins de monde. Et je pense que ça doit être le. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le médaillon sans su. Parce que je comprends pas pourquoi il y a autant de monde, frérot. C'est abusé. C'est un carnage à chaque fois ce spawn. C'est le nouveau Tilted Tower. Allez, c'est pas. Oh putain, ça a beaucoup sauté. Et ça va être encore un carnage, je vais faire un retour au lobby, frérot, c'est bon, j'en peux plus. En fait, c'est peut-être pas forcément le monde le problème. Le réel problème, c'est le nombre de bots aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de bots ici qu'à Fatalis. Après, je sais pas si c'est ce côté, vu que c'est un petit peu la taille, elle est moins grosse que celui de Fatalis. Mais Fatalis, c'est gigantesque, frérot. Là, on est tous dans le même endroit, frérot, c'est un carnage. En vrai, ce spawn-là, sans les bots, oh, ce serait pépite. Ce serait magnifique. C'est vrai qu'à l'époque de Tilted Tower, il n'y avait pas de bots. Attention, mesdames et messieurs. Bon, alors, je sais, il y en a qui regardent les vidéos qui ne connaissent même pas Tilted Tower. Bienvenue à vous, les petits jeunes. Mais frérot, fut un temps, on avait des vrais spawns de combattants sans musique, sans bots, sans bordel. Tu te concentrais que sur les adversaires. Et ça, c'était pas mal. Par contre, là, il y a un pompe impeccable. Et faut vite se barrer parce que, frérot, ça va te sauter dessus direct. Ok, parfait. Un truc Avenger. Impeccable. Ah, je vais prendre le pompe, même si je suis pas fan. Let's go. Et alors là, c'est sauf qui peut. Et on part à la chasse. Oh frérot, fais-moi pas défrayer comme ça le bot. Qu'est-ce qu'il fait, les cinglés? On peut casser ça? On peut casser pour rentrer. Oh oui, mais c'est incroyable. Eh, en vrai, ce spawn, si tu le maîtrises à la perfection, par contre, tu peux passer par des endroits sans te faire voir. Il est incroyable. Il y a déjà un mec qui commence le bot. Parfait. Vas-y, vas-y, fais mon petit. Je suis perdu. Ah non, c'est bon. Bon, moi, je vais commencer directement tous les bots. Une fois qu'il n'y a plus de bots, je me concentrerai sur le boss. Il y a un mec, là. Ok, c'est un bot. Ça dégage.
tous les bots ça dégage. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins de monde. Après je dis ça, je vais aller au boss, va y avoir un Ratus qui va m'attendre, c'est sûr. Y'a un mec. Ok, non, c'est un bot, ça dégage. Et pourquoi j'entends la zone là? C'est quoi ce bug là? Ok, j'ai éliminé pas mal de bots. Le petit Ratus là. Le petit Ratus là, ça dégage? Espèce de fou. Oh bordel, je sais pas si c'est un bot. Dans le doute, on va se mettre bien avant. Ok, c'était un bot. Ok, il faudrait que je récupère le mec que j'ai buté pour les balles. Parfait. Oh, avec un pompe doré en plus, magnifique. Reviens quand tu veux mon ami. Et là, faut que je me précipite sur le bot, je crois qu'il n'y a plus personne. J'ai éliminé tous les bots. Elle s'est déjà mis invincible, non mais c'est une blague. Ok, il y a un kit sur le cadavre que j'ai buté, ça faut le prendre en compte. Si jamais je dois jouer la zone, je partirai au kit. Allez, enlève ton truc là. Nice. Allez, let's go. Oh, parfait. Non. Non mais c'est un... Non mais c'est un délire, frère, ce jeu. Mais gros, y'a que des ratus qui attendent que tu fasses tout le boulot. Non, ça c'est une dinguerie. Mais il vient, il récupère tout tranquille et il se barre. Non mais c'est une blague. Il m'a crackjacké mon stuff, frérot, j'en peux plus. Allez, c'est parti pour la troisième game, super. Si toi aussi, ces petits ratus au médaillon avec zéro kill commencent à t'agacer, laisse un pouce bleu. Celle-là, elle est gratuite. Et frérot, tu sais quoi? Pour cette game, je vais me transformer en rat. Mais c'est bon, frérot. Je vais prendre ma patience. Au pire des cas, je vais stacker tous les kits que je trouve. Et comme ça, je jouerai le boss avec la zone. Oui, bon, ça va, toi, tu vas pas me pourchasser, là. Putain, mais quelle horreur. Hop, là, il m'a perdu. Non, mais c'est pas vrai, mais fous-moi la paix, mais gros, mais qu'est-ce qui lui arrive? Même dans le lobby, il est en train de me chasser, le poteau. Allez, casse-toi. Putain, mais fous-moi la paix. Et j'ai lancé pour découvrir et jouer détente, frérot. Je me tape que des tarés. On va se détendre tout de suite, hein. Attention, c'est parti, mon kiki, pour la troisième game. Oh, frérot, je l'ai maîtrisé à la perfection. Je vais arriver pile poil dans la. Il y a des mecs. Non, c'est une blague. Vous, j'avais fait mon spawn à la perfection. Eh, ben, je suis pas prêt d'aller faire les FNCS. Non! Rien de plus, j'arrivais pile poil dans la fenêtre. Ah, bah, c'est super. Hasta la vista, baby, hein. Bon loot. Oh. Il y a les rayons laser. Est-ce que si je saute? Hop. Oh mais c'est bon, frérot, putain, mais... Depuis le début de la saison, j'ai peur de ces trucs, moi, en fait, c'est de la... C'est tranquille! Les popos, ça, directement, je récupère. J'ai un pistolet, il me manque juste un fusil à pompe. Eh ben, c'est parfait, on l'a. Et j'ai le full vie, impeccable. Et maintenant, il faut que je prenne mon coin. Tu sais quoi? Elle, on va la commencer, quand même. Comme ça, ça va foutre le carnage dans la map. Est-ce qu'on peut passer par là? Oh non, dommage. Oh, parfait, ça. Oh! Oh Captain, qu'est-ce que tu fais? Merci pour le pompe en or, ça fait plaisir. Mais c'est l'endroit où j'aurais pas dû casser ici en fait, je suis trop bête. Ils vont tous venir là les gens. Vas-y, et là niveau stuff par contre, on est pas mal du tout. Oh, elle est buggée. Eh bah c'est super, elle est invincible. Eh, j'ai dit que je faisais le ratus, au final je vais me faire le bot en 2-2, c'est une dinguerie. On va encore venir me le voler. Ok, toi tu dégages. Oh, elle a pu son buff, je crois. Où c'est qu'il est? Non, elle est où? Ah bah, je l'ai perdu. Mais il est passé où le bot? Non, frérot, c'est une dinguerie. Je l'aurais déjà fini là. Il est passé où? Je le vois plus. Ok, toi tu vas dégager. Impeccable. Frère, le bot, je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas où il est. Et elle reprend son invincibilité pile poil quand je la retrouve. Mais frère, il y a des gens partout! Non, toi tu dégages, toi. Allez, 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 allez. Let's go! Ok, ça on prend, ça on prend. Et là, je me prépare à me sauver, frérot. Il y a des mecs partout, frérot, ils sont tous accroupis. C'est un carnage. Ok, bon, alors là par contre. Ah ouais, mais là je peux pas jouer le pistolet du coup. Je vais pas pouvoir tout prendre. Ok, il y a un mec juste là en train de faire du jetpack. Lui, il faudrait que j'arrive à l'arroser. C'est un bot? C'est un bot. Ok, il faudrait que le médaillon il scanne là. Ce serait pas mal, ça m'aiderait. Ah, non, voilà, c'est pas un bot ça. Et lui, mon pote, j'y vais direct. Non! Oh! Ok, nice. Heureusement que l'air elle fait mal. Il y a des mecs partout. Foutez-moi la paix! Allez, la petite tangente. Il faut que je me barre d'ici. Hein. Il faut que je me barre d'ici, frérot. C'est trop le bordel. Il y a des bots partout. Il y a des mecs partout. J'en peux plus. Je ne comprends rien. Je suis en vie, mais je comprends rien. Allez, adios. Oh, mais gros, il y a des mecs partout. Oh, let's go. Mais
Frérot, il y a des coffres partout, il y a des mecs partout, je ne comprends rien, mais je suis en vie. Non, il y a un mec. Ouais, non, mais là, c'est bon. C'est plus mes affaires, hein. Ça a pas jeté la répulsive. Ça a pas jeté la répulsive, frérot, je l'ai jeté. Et il repart avec le magot. Non, mais frérot, j'en peux plus, il y a des mecs partout, j'en ai marre. Oh, j'avais 7 kills, plus tous les bots, j'avais au moins 37 kills. Eh ben, en tout cas, on a bien découverte cette AR. Pour le moment, ça se passe très bien. Allez, c'est parti pour la 4e game déjà. Bon, 3e, parce que la première, elle compte pas, c'est la game de chauffe. Frérot, quelle ne fut pas ma stupéfaction. J'ai été en train de faire le montage sur la dernière game. En plus, une game exceptionnelle. J'ai pas mis le micro. Bravo, Sonito. J'ai fait une game exceptionnelle. Ça aurait été la meilleure vidéo de tous les temps. Super, bon, je vous mettrai les images quand même. Mais du coup, on est reparti pour retenter une petite game quand même. Parce qu'il dit que, en termes de watch time, j'aurais pas ce qu'il faut. Je suis à 10 minutes de vidéo. C'était pile poil. J'avais une game, c'était parfait. Ça aurait fait 20 minutes de vidéo. Et en plus, la game était incroyable. Je suis totalement dégoûté. Enfin bref, c'est pas grave. On est reparti, moi Kiki. Oh, je suis dégoûté. Je suis abattu. Je me suis battu pendant 2 heures pour pouvoir sortir du spawn. Parce que oui, il y a aussi des games où je suis mort juste en récupérant le médaillon. Récupéré par un ratus, frérot. Pas de micro. Super. Et la magnifique game où j'ai réussi à le retrouver. Pas de micro non plus. Super. Frérot, je suis à bout. Là, c'est pas compliqué. Hein. Je tente une fois ou deux. Si je ne chope pas le médaillon, c'est terminé. Bonsoir. Désolé pour la vidéo. Ça fera que seulement 16 petites minutes. Entre 16 et 20 minutes. Mais je vous mettrai quand même le top 1. Quand même. Même s'il n'y a pas de micro, je vous le mettrai en mini highlight. Alors là, ça plaisante pas. Enfin bon, on va tenter quand même. De toute façon, c'est pas grave, c'est une découverte. Donc s'il y a pas de top 1, c'est pas grave. Mais au moins pouvoir découvrir ensemble. Ça va, j'ai 2-3 petits clips. Et malheureusement, vous entendrez pas ma douce petite voix. Ok, jetpack direct, ça je le prends. Mais maintenant, il faut des pompes là. Pas de pompe? Il y a un mec qui est là. Il faut que je me mette du shield. Oh, je l'ai niqué. Super. Voilà ce que je me tape à chaque game. Et voilà. Regardez-moi tous ces ratus. Frérot, c'est trop. Ils sont tous accroupis en train d'attendre. J'en retente une dernière. Si ça ne passe pas, tant pis. Terminé. Bonsoir avec cette vidéo. J'en peux plus. Ça, je suis dégoûté. J'avais fait mon top 1. Frérot, j'ai pas de micro. Allez, et dernière tentative. Et c'est ciao. Bonsoir. J'en peux plus. J'en peux plus. Faites-moi changer de spawn, frérot. Vivement l'épisode avec le gant de Fatalis. Parce que là, ça y est. Cet AR, j'en ai ma claque. En plus, le médaillon, il est éclaté, frérot. C'est un des pires. Bon, en vrai, j'abusais un peu. Ça te donne entre guillemets un wall hack. Ça te le donne tellement peu souvent que c'est loin d'être le meilleur médaillon. Où il y a trop de monde, il y a tous les ratus. J'ai quand même pas devoir rejouer les kits, frérot, c'est de la science-fiction. Et ça, c'est mon coffre Avenger. Personne n'y touche, c'est le mien. Oh, parfait. Un pompe violet. Bon, par contre, j'ai pas de popo. Ça, c'est problématique, ça. Faut vite que je me trouve de la popo. Ou au moins de la petite. Parfait. Avec un pistolet doré en plus. Nickel chrome. Et je vais me poser là, je vais me mettre full vie. Bon, je crois que je vais faire le rat. Je crois que je vais faire mon ratus. Hein. En fait, tout le monde joue comme ça. Tout le monde joue ratus. Je vais me foutre à un endroit, je vais plus bouger, je vais attendre. Je vais attendre que les autres fassent à ma place, et puis c'est tout. Et le problème de ça, c'est que j'ai pas la patience. Il y a un mec là. Je le vois pas. Allez, je me tire d'ici. C'est pas mes embrouilles. Vas-y, fais les bottes. Défonce-le. Oh, oh, ça dégage. Toi, ça dégage. Pas le temps de niaiser. On va vite se remettre le shield. Il y a un kit. Et je vais jouer la zone. Rien à foutre. Il y a 2 kits. Alors là, rien à foutre, je joue la zone. J'attends que quelqu'un fasse le bot à ma place. C'est bon, depuis tout à l'heure, je me fais cirer, frérot. Je vous attends. Je le sens, je vais engager le bot. En fait, j'ai pas la patience, c'est ça mon problème. Je vais l'engager, il y a un mec qui va me dire, il va me back. Voilà, il y a déjà des mecs dans tous les sens. Il y a un mec qui arrive en jetpack. Et c'est bon, j'y touche plus. J'y touche plus à Satan et bot. Il va me rendre fou. Et là, je suis bien caché par contre. Hein. J'ai une bonne position pour faire le rat. Où ça dégage? Let's go, mon petit! Le rat. Discret, mais... malin. Allez. Non, elle a son truc d'invincibilité. Ok, j'ai juste à attendre ça. J'ai juste à attendre qu'elle ait pu son truc et je l'explose. Non mais gros, c'est une dinguerie, elle vient de le remettre. Non mais attends, je suis en train de me faire arnaquer là. Je suis clairement en train de me faire arnaquer, gros. Oh, allez. Allez. Allez, prends-le, le truc.
Je me barre. Je me tire de cet enfer. Je me carapistouille de cet enfer, frérot, c'est mort. Il y a un mec qui est juste au-dessus de moi, répu. Vas-y, je me barre. Je me tire de cet endroit, frérot. C'est l'endroit du diable. Je me barre. J'en peux plus. C'est bon, j'ai ce que je voulais. On va pouvoir tester tout ça. Il est là. Pardon. Il y avait un bot, mais j'ai buté un mec aussi, hein. Et ben voilà, on va avoir des clips avec, c'est bon. C'est parfait, le watch time, on aura tout ce qu'il faut. Donne-moi tout ça, frérot, je l'ai bien mérité. Le flobet, pareil, je vais te le piquer. Et maintenant, je me barre. Au bordel, il y a un mec qui arrive en voiture. Nice. Allez, encore une petite. Oh, je l'ai explosé, frérot. Même pas le temps de niaiser, je l'ai démoli. Que je l'ai mis. Let's go. J'ai bien géré mon petit jetpack là, je suis content. Allez go le flobet. Que je puisse prendre le pad avec le flobet. Allez. Ah dommage. Rip. Dommage pour la big rota, c'est pas grave. Allez, on va aller se concentrer du coup sur les autres médaillons. Oh, les deux sont là-bas en plus. Il a tout récupéré le poteau. On part à la chasse, mon ami. Au plus vite on le récupère lui, au mieux on est. Voilà, je peux tous les défoncer, frérot. L'air, elle est trop forte. L'air, elle est beaucoup trop forte. Oh le macho papi. Non. Non. Oh, pas ça. Hein. Allez, allez. Encore une. Oui. Dans ta bouche, ton bouclier avec ta strat de salopard. Let's fucking go, Suenito. Il y a un autre mec. Il y a un autre mec qui débarque. Faut que je me mette le kit et je me casse. Allez, faut que je me barre plus vite que prévu. Parce que là, frérot, lui, il va débarquer. Il n'y aura pas le temps de niaiser. Il y a un autre mec qui le back. Parfait. Au meilleur moment. Et je crois qu'il a buté, je crois. Il est clairement en l'air. Allez, allez, allez. Nice, allez, oh, il est one tap. Et il y a l'autre qui débarque derrière lui. Ok bah super, vas-y tue-le. Moi je vais juste aller récupérer ma petite météo en détente. Hop, et je me barre. Je crois que c'est encore en train de se battre, hein. Je crois que c'est clairement encore en train de se battre. Oh, il y a la tourelle, vas-y je prends la tourelle, hein. Rien à foutre. Rien à foutre, je joue le tout pour le tout. Pas le temps de niaiser. Ok là, il y a un bot au milieu de la route. On va laisser attirer le mec, l'humain. Et comme ça on va défoncer l'humain. Let's go mon petit. Ça a marché ma strat. Toujours se servir des bottes pour pouvoir défoncer les humains. Let's go. Et là, il y a les deux autres médaillons qui sont juste à côté. Lui, si je l'attends ici, je peux peut-être le laser. Mais vu que je suis un guignol, je vais pas vouloir l'attendre. On va aller l'attaquer de front. Il va venir vers moi. Oh, là, clairement, il vient me chercher, là. Oh oui, clairement, il est pas content. Il y a un autre mec en plus qui me tire dessus. Ok, nice, ça. Nice. Allez. Allez mon petit! Faut que je recharge l'air. Elle fait beaucoup plus de dégâts. Let's go! Allez! Oui mon petit! Oh, j'ai tout récupéré! Je l'ai démonté! Let's go mon petit! Et c'est le destin, on va faire un top 1 encore mieux que le premier. Let's fucking go! Et là je peux dire que je... Parce que ça fait un moment que j'y suis sur ce défi. Hein. Bon en vrai je l'avais réussi mais malheureusement le destin en a voulu autrement. Et toi, va voir ailleurs si j'y suis. Nice, ça. Oh, let's go, mon petit. Et c'est trop fort, la tourelle pour les mecs en voiture. J'ai l'impression qu'en fait, elle vise la vitre. Elle vise là où il faut viser, en fait. Impeccable. Mais là, je suis le grand démon de la game, là. Là, je reconnais, je suis le grand démon. Oui, en plus, j'ai ça, c'est vrai. Il y a un mec, là. Il y a un mec, là, je vais essayer de le surprendre en l'air. Nice. Non mais c'est trop... Bon, c'était un bot, on est d'accord. Mais en fait, tu montes en l'air, tu les arroses, ensuite tu leur sautes dessus, la tourelle les arrose, et tu les finis au fusil à pompe. Bon, je dis ça, je vais tomber contre un mec qui va avoir le bouclier de Captain America, ça va vite me détendre, ça va vite me calmer. Ah bah tiens, en parlant du loup. Nice, ça. Ok, t'as ton bouclier, pas de problème. On va t'attraper. Et la game elle est encore mieux que celle que j'ai rentrée tout à l'heure. Ah, je suis trop content. Attention, c'est pas fini encore. Mais là on a fait un bon carnage là. Et il reste encore 12 mecs, j'ai 12 kills. Les bambos, et je pars à la chasse. Et objectif, tuer le maximum de mecs. Dans tous les cas, c'est pas grave, on est en train de découvrir. Donc c'est exactement ce qu'on fait. S'il y a pas de top 1, c'est pas grave. Je vous mettrai les images de la game que j'ai fait juste avant sans micro. Au moins on aura le top 1. Il y a un mec là. Il y a clairement un mec juste là. Nice. Et je lui ai déjà mis 70 de dégâts. Oh. Non mais c'est n'importe quoi cette air. Et je commence à comprendre en fait pourquoi tout le monde y va. Elle est trop forte l'arme. Et par contre pendant la saison si jamais ils mettent les akimbo mythiques, ça va être quelque chose aussi, hein. Ça va être un sacré bazar. Ok, on reste tranquille.
C'est ma game. Interdiction de se faire piquer cette game. On est beaucoup trop bien. Là, normalement, en plus, on va arriver à un stade où logiquement, il y a que des bots. Personne se tue depuis tout à l'heure. Si ça se trouve, c'est que des bots qui font le tour de la map. Vraiment, faut pas que je me plante. Faut vraiment pas que je me plante. Il y a un mec là-bas. On part à la chasse. Golatès de loin, celle-là aussi. Non, mais même de loin, c'est trop fort. Même de loin, elle est trop forte. Let's go, je suis une tourelle automatique. Qu'est-ce qu'il y a des mecs dans le coin là? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont en train d'enclencher leur rotation? Je vais monter dans le ciel, hein, comme ça j'aurai un bon visuel. Ah, on peut pas monter plus haut? Ah, il y a une limite. Ah, je savais pas. Bon, c'est bon à savoir. Ah, il y a une limite de hauteur avec le jetpack. Ouais, c'est pas plus mal parce que sinon il y en a certains, on les connaît. Ils auraient un petit peu abusé du bail, ils seraient allés tout en haut, ils auraient attendu tout le long. Il y a un mec là. Il y a un mec qui vient de prendre la tyrolienne. Nice. Allez. Allez, je l'ai tout mis, hein. Let's go! Oui, choupapé! Et en plus, il avait de la popo. Magnifique, let's go! Oh, la R, elle est en train de me carrer le top 1 en plus. C'est magnifique comme scénario. C'est magnifique! Oh là, et du coup, je suis content d'avoir chié mon top 1 tout à l'heure. Enfin, de pas avoir le mic, de pas avoir le micro. Parce que là, celle-là, elle est incroyable aussi. Voire peut-être même mieux. Bon, on n'a pas encore le top 1, mais même sans le top 1, la game, elle est mieux. Il y a plus de clips, je teste plus de choses. Oh, merde, il est con. J'ai plus de jus. Ok, faut que je récupère mon jus, tranquille. On va pas se précipiter. Il reste encore 6 mecs. C'est loin d'être fini. Il y en a un qui est tout là-bas. Oh, nice, c'est touché. Nice, encore. What the fuck? Mais c'est quoi les dégâts qu'elle a cette arme? Ah bah là, sauve-toi vite, mon coco. Sauve-toi vite parce que j'arrive. Trouve vite du shield parce que quand je vais te tomber dessus, ça va pas être la même. Il a scan, parfait. Il est juste là, le mec. Eh, je sais même pas ce que je fais avec le jetpack, mais ça passe. Là, je peux peut-être faire une 20 kills là en plus, magnifique. Bon, par contre j'ai la météo donc c'est pas... Eh, hey, je vais tryhard, hein. Tant... En vrai les 20 kills tant pis. Je veux vraiment le top 1. J'ai galéré de zinzin à sortir du spawn. Je me suis battu corps et âme. Je me suis fait voler un top 1 parce que j'avais pas de micro. Rien à foutre, je tryhard le top 1. Tant pis pour les 20 kills. C'est pas très grave les 20 kills. Je me mets dans le bush et je ne bouge plus. Voilà, jusqu'à la fin, allez-y. À vous de faire le taf. Et je vais attendre la fin de game. Mon médaillon, il va scanner toute la map. J'aurai l'information sur tout le monde. Moi, je ne bouge plus. Terminé, bonsoir. J'ai encore un montage à finir, frérot, j'aimerais bien aller dormir. Je suis pas en zone. Oh, quel bonnet, je suis pas en zone en fait ici. Est-ce que l'arbre il est en zone? Pas du tout. Il faut que j'avance au niveau du caillou. Il y a un mec là. Ok, ça c'est un bot, c'est sûr. Bon, par contre, ils disparaissent. Et je lui ai mis 8 balles. Il m'en restait 12 dans le chargeur. 8 balles, je l'ai explosé. Ok, ça se tue là-bas. Et je me pose ici, j'ai les deux prochaines zones. Bien faire la police pour bien voir, mais je crois que... Je sais pas où sont les autres. Hein. Mais je pense qu'ils doivent être par là-bas, là. Parce que là, dans ce coin-là, il y a vraiment personne. Oh, c'est vrai que j'ai ça. Oh, c'est vrai que j'ai ça. Attends, mais on va y aller aux couilles, hein. Et je vais me poser comme ça, juste pour prendre les infos. Ni vu ni connu. Dès qu'il y a un mec, je dégaine. Tourelle automatique. Plus... Oh, la petite AR. Il y a un mec, là, juste là, qui est en train de looter. Et c'est clairement pas un bot, ça. Il saute dans tous les sens. Vite. Yes, let's go. Il y a encore deux mecs. Encore deux mecs. Oh, j'ai cru que c'était un mec, c'était des fleurs violettes. Oh frérot, je suis sur le qui-vive. Je suis sur le qui-vive, frérot. C'est mon top 1, je me le fais pas arnaquer. La game, elle est masterclass. C'est vrai que là, il manque un petit sniper, quand même. Il manque un petit sniper. Par contre, en termes de découverte, on l'aura vraiment bien découverte pour le coup, celle-là. Ok, vas-y, scanne-moi tout ça. Donc, c'est sûr, il y a un mec dans le bush. Il y a un mec là-bas, je pense. Il y a potentiellement un mec aussi dans celui-là. Et celui-là, j'ai essayé de regarder, mais j'ai vu personne. Ok, j'ai la prochaine zone. Parfait. Donc, s'il y a un mec là-dedans. À pulvériser avec des bombes. Bombe de Docteur Fatalis. Attends, mais il est mort où? J'ai pas entendu de bombe là, moi. Où c'est qu'il est, le poteau là? Où c'est qu'ils se sont butés? Genre plein milieu, je vois personne. Oh, il est tout là-bas. Oh bordel, il est tout là-bas. Faut que j'arrive au bush avant qu'il arrive. Ah, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps, c'est dangereux là. Là, c'est totalement dangereux ce que je fais, mais vas-y, on l'attend quand même. Il est juste là. Nice. Allez, go lui mettre la pression. Oh. C'est quoi ce pouvoir qu'il a là? Allez, mon petit! Vamos! Libéré, délivré, mon petit! Let's go! Et le back-to-back top 1, mesdames et messieurs, pour le chat, pour vous, j'y suis retourné. YouTube, on pense bien sûr au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, tranquille, cette vidéo aura les 20 minutes de watch time. Impeccable, let's fucking go!